de Nazareth. Je sentirai de ton cœur les merveilles de mon papa Yahvé, qui m'a ôté les ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je sentirai de ton cœur les merveilles de mon papa Yahvé, qui m'a ôté les ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai rien à craindre car Yahvé m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je suis dans
Peuple de Dieu, ici rassemblé, vous êtes les bienvenus à cette célébration. Le Seigneur vous y accueille avec joie. Sa parole déclare, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le Seigneur est au milieu de nous. Le Seigneur est avec nous. Que sa grâce. Loue l'Éternel. Amen. C'est Seigneur, de ce que malgré nos manquements et péchés, toi tu nous fais la grâce de nous appeler en ta présence. Tout au long de la nuit, tu es avec nous. Et maintenant, tu nous donnes de nous approcher de ta sainteté à travers ce culte que nous rendons en ton nom et en ta gloire. Donne-nous, Seigneur, de nous approcher de toi avec le cœur repentant, car nous le reconnaissons, nous ne sommes que de pauvres pécheurs qui rendent à contre-courant de ta volonté et marchent selon la vanité de leur intelligence. Aie pitié de nous, Seigneur, et pardonne-nous nos péchés. Sois et demeure avec nous, ô notre Dieu, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je dis par ton sang précieux, enlève-moi l'iniquité, regarde-moi Dieu au-dessus, dis-moi que tu m'as pardonné. Écoutons maintenant, frères et sœurs, comment le Seigneur nous pardonne nos péchés. Je ne désire pas la mort du pécheur, dit le Seigneur. Ce que je désire, c'est qu'il se repente, qu'il change et qu'il vive. Amen. Koval Nakam. Oh,
du Cameroun. Après la liturgie d'entrée par le pasteur Kon Mangé Pierre, président de la région Sénégal du Maurice-Centre, nous vous invitons maintenant, frères et sœurs en Christ, à suivre les annonces par le pasteur Charlie Moussima, directeur du DCI, la prière d'illumination par le pasteur Dr Bouté Madeleine, la lecture biblique par le pasteur Doué Salomon, la prédication et la confession de foi par le pasteur Gantian Laurent, président de la région Sénégal du Maurice-Sud. Sans plus tarder, nous accueillons le pasteur Charlie Moussima pour les annonces. Merci. Nous confessons avec le livre de Josué que si nous la mettons en pratique, nous réussirons dans toutes nos entreprises. Nous confessons avec le roi David qu'elle est la lampe qui éclaire notre chemin et illumine notre sentier. Nous confessons avec toi le Christ que si nous l'écoutons et la gardons et la mettons en pratique, notre vie sera fondée sur le roc. Jésus-Christ, toi le roc des siècles, tu as convoqué ton peuple du monde entier pour l'enseigner. Répands sur ton serviteur la puissance illuminante de ton Esprit Saint et ouvre nos vies à recevoir cette parole réconciliatrice pour nous mettre en ordre avec de premier livre de la Bible, Genèse chapitre 18, les versets 20 à 32. Le second texte est tiré de l'Évangile selon Luc chapitre 11. Oh là là. Nous écoutons la première lecture. Genèse 18, ce n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham s'était encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit : Feras-tu obtenir le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi ? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de ces justes qui sont au milieu d'elle ? Faire mourir les justes avec les méchants, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. La deuxième lecture, frères et sœurs, c'est l'Évangile selon Saint Matthieu. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Des jours serbes.
dire qu'il y a des enfants qui ont plusieurs noms. Le prédicateur a proposé tout à l'heure promotion des intercesseurs. Mais en réalité, cette promotion a déjà un nom. Cette promotion a déjà un nom, c'est la promotion réconciliation. Et ce nom n'est pas donné au hasard. C'est parce que le pasteur Charles-Emmanuel Jiquet, de regretter de moi, avait souhaité, pendant la période de transition, la consécration des pasteurs proposants qui attendaient ou qui attendent. Consécration qu'il souhaitait être célébrée, co-célébrée par les parties prenantes qui, le 15 décembre 2021, au synode général extraordinaire à Yaoundé, avaient permis à l'Église de sortir vainqueur de ce synode. C'est pourquoi le bureau de la transition, et pour respecter ce rêve du pasteur Charles-Emmanuel Jiquet, a confié la co-célébration de cette consécration au pasteur Prisomungone Richard Engete Flip. Je vous remercie. Cher peuple de Dieu, nous allons maintenant entrer dans la liturgie de consécration. Maintenant, nous demandons. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai demandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est à son Église que le Christ a confié cette mission. De génération en génération, il donne des serviteurs pour la croix. À la charge particulière de pasteur, l'Église reconnaît leur vocation et se réjouit de la paix divine qui a été lancée. Elle est mise à part pour le service de l'Évangile et l'Église s'engage à intercéder pour eux, pour l'accomplissement de leur mission. Nous allons donc maintenant les consacrer au ministère pastoral, à l'imposition des mains et la prière. La voix Dieu, Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds, sauve-t-il-je, je me voici, je suis à toi.
jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. C'est maintenant le moment de prendre vos engagements et de vous mettre devant Dieu et devant les hommes. Le ministère pastoral auquel vous vous engagez n'est pas de ceux que l'on peut prétendre prendre ou quitter au gré de ses intérêts ou de ses préférences. Ceux qui sont appelés au ministère pastoral doivent entendre qu'ils acceptent cette charge librement et sans contrainte pour toute leur vie. S'ils n'en sont déchargés légitimement pour de sérieuses raisons. C'est pourquoi la parole de Dieu nous de ne point imposer les mains avec précipitation. Elle nous demande. Elle nous demande de prendre garde lorsque nous consacrons ceux qui doivent conduire l'Église que Jésus-Christ a racheté de son sang précieux. Ainsi, après nous être entiers de votre foi et étant assurés, autant que nous pouvons en juger, que vous avez réussi vocation de Dieu et que vous avez été dûment préparé, vous allez répondre aux questions que je vais vous poser. Proposant pasteur, promettez-vous devant Dieu et devant cette assemblée chrétienne d'enseigner purement l'évangile de Jésus-Christ, de connaître pour cette règle de foi et de vie chrétienne la parole de Dieu telle qu'elle est contenue dans les livres sacrés de l'Ancien et du Nouveau Testament, de considérer la parole de Dieu comme seule pierre de touche pour éprouver cette toute tradition, toute doctrine et tout système religieux, de s'écarter en rien dans vos enseignements publics comme dans vos conversations privées, de la doctrine et des principes renfermés dans cette divine parole, de tenir secret. De tenir secret les confessions libres et volontaires qui vous seront faites.
d'être distrait dans vos propos, voici Dieu fut la charge d'annoncer son pardon, de conseiller vos frères et de les aider, de déployer tous vos efforts pour édifier par et votre soumission exemplaire aux règles de la discipline de l'Église. De la discipline que Jésus a rachetée au prix de son sang. De vivre dans la tempérance, la pureté, la paix, la justice et la piété. De donner par votre vie de famille et votre l'Évangile, d'employer toute force et tout votre temps pour le service de Dieu et pour l'accomplissement au secours de Dieu, tous les devoirs d'un bon ministre de l'Évangile et d'un fidèle serviteur de l'Église chrétienne. Si vous le promettez, répondez oui. Je le promets. Oui, je le promets. En conséquent, voulez-vous dans la prédication, dans la prestation des sacrements, dans toutes vos tâches apostoliques, vous conformer à l'Écriture pour amener à la plénitude et à la vie en Christ. Oui, je le promets. Vous qui, par vocation, devez être un exemple à la communauté et qui êtes chargé de nourrir les autres de la parole de Dieu, promettez-vous de vous soumettre à une discipline d'étude, de méditation et de prière quotidienne. Oui, je le promets. Vous rappelant que Jésus-Christ est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour tous. Et vous ayant accepté ce ministère sans contrainte, mais librement, promettez-vous d'être par amour pour lui et à son exemple, serviteurs de vos frères, quelle que soit leur condition, leur origine ou leur opinion. Oui, je le promets. Pour maintenir l'unité du corps du Christ, promettez-vous de demeurer dans l'amour fraternel, vous attachant non à ce qui divise, mais à ce qui unit. Promettez-vous de rechercher la paix et l'union avec tous, sans vous lasser jamais de professer la vérité dans la charité. Oui, je le promets. Respectez la constitution et le règlement intérieur de l'Église évangélique du Cameroun, de l'appliquer, de lui donner votre adhésion telle que votre Église vous le demande. Oui, je le promets. Dieu est témoin. C'est lui qui vous donnera la grâce de tenir vos promesses. Amen. Amen. De méditation et de prière quotidienne. Vous rappelant que Jésus-Christ est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour tous. Et vous, ayant accepté ce ministère sans contrainte, mais librement, promettez-vous d'être par amour pour lui et
serviteurs de vos frères, quelles que soient leurs conditions, leur origine ou leur opinion. Pour maintenir l'unité du corps du Christ, promettez-vous de demeurer dans l'amour fraternel. Mon téléphone ne s'est même pas éclaté, j'ai filmé. La parole de Dieu. Je vous en prie, sortez de là. Sacrément de finir les mariages sur les tout en jouant du ministère. S'il vous plaît. Ouais, essayez, je ne me pousse plus. D'afficher sacrément de finir les mariages sur les tout le monde du ministère de l'Évangile que pour vous montrer une autre. Nous t'en prions, Père, tout puissant, envoie ton Saint-Esprit sur tes servantes, nous consacrons dans ton Église. Amen. Solennellement devant Dieu et devant son Église, et en présence des délégués envoyés par les Églises sœurs, que vous êtes désormais pasteur de l'Église évangélique du Cameroun. Et maintenant, collègues, si vous êtes revenez à vos places. Les pasteurs, laissez les ambassades revenir à vos places.
comme vous... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Comme vous le savez, nous ne pouvons pas donner l'occasion à tout le monde. Monsieur le maire de la ville de Douala,
messieurs les sous-préfets d'arrondissement, autorités administratives, traditionnelles, religieuses, judiciaires, militaires, en vos rangs, grades et titres respectifs, personnalités politiques, chers pasteurs, anciens d'église, diacres et conseillers paroissiaux, chers fidèles de l'église évangélique du Cameroun et des églises sœurs représentées en cette circonstance, mesdames, messieurs, l'église évangélique du Cameroun dans toute son entièreté est heureuse de vous compter parmi ses hôtes de marque en tant que témoin oculaire, présent, participant actif et agissant à la cérémonie heureuse qui, dans le contexte présent et immédiat, rassemble les fils et filles du Très-Haut dans cette cité mythique et historique qui nous abrite en ce jour. L'Église vous souhaite une chaleureuse bienvenue, un heureux séjour à Douala. Dans cette circonstance, nous offre l'occasion de bénéficier de son hospitalité. Ce temple, devenu par la suite tout un symbole de fierté, de rassemblement et de l'unité de l'Église, consacre en même temps son indivisibilité, d'autant plus qu'il est situé au cœur de la direction siège sociale de l'Église évangélique du Cameroun. L'Église a évolué pendant des lustres, tant bien que mal, mais sans crise majeure. Cela allait sans compter avec certaines velléités liées aux aspirations politiques qui, petit à petit, se sont infiltrées dans la machine de l'Église et de son fonctionnement. Et vous le savez mieux que quiconque, même un baobab peut être secoué par la tempête. L'Église évangélique du Cameroun est entrée dans une crise post-électorale après le synode historique d'avril 2017 tenu en Yaoundéré. Dès cet instant, le tissu de l'Église s'est dégradé progressivement et profondément jusqu'à atteindre le pic dans l'année 2018 et 2019. Cette situation non relisante de notre Église, qui voyait son message dilué, son témoignage mis à mal, sa dignité bafouée, sa place et son rayonnement dans l'univers religieux camerounais et le Conseil des Églises chrétiennes perdu, tous ces aspects pris ensemble ont sonné comme une alarme, un cri de détresse invitant fils et filles de l'Église évangélique du Cameroun à se réveiller de leur torpeur pour s'asseoir autour d'une même table afin de fumer le calumet de la paix. C'est ainsi que plusieurs rencontres se sont tenues à Ndoungé et illustrent l'émergence d'un temps nouveau, d'une paix restaurée, tout ceci par la bénédiction du Saint-Esprit. Honorables et distingués invités, l'Église évangélique du Cameroun, en vous exprimant toute sa gratitude, sa reconnaissance pour tous vos soutiens multiformes dans la recherche des voies de sortie et de jugulation de la crise sus-évoquée, continue de solliciter votre secours, votre concours, votre bienveillance, ainsi que vos prières, afin que le processus de paix qui, en son sein, est engagé, se greffe à la volonté de tous et de chacun, afin de pouvoir l'encadrer avec la bénédiction divine. N'oublions pas qu'aujourd'hui, plus que par le passé, le monde entier en général, et notre pays en particulier, ont besoin de vivre une réelle paix, une paix véritable, une paix durable, une paix positive, dans toutes ses dimensions et dans toutes les parties chaudes du Cameroun. Nous passons au Noso, nous passons à la région septentrionale du pays et que savons-nous encore cette petite chose. C'est toi le maître de cette célébration ce jour. Merci
que faites pour nous. Réunis ici pour te déplaire seulement la vocation de tes serviteurs et servantes que nous consacrons pour ton service. Sois avec eux, pas seulement pour ce jour, mais quand de ton Église, les fidèles qui ont cru en toi et qui avec tous ses fils et ses filles ensemble. Seigneur, avec toi sur le bon chemin, nous te confions le bureau de transition, le comité de surveillance et tous les acteurs dans le processus de... Nous te prions pour nos autorités qui nous gouvernent et qui nous accompagnent. Autorité administrative, autorité traditionnelle, militaire, judiciaire, autres, et toutes les personnalités politiques. Seigneur, offense, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Reste à 8h30. Nous avons pu au moins retenir de la prédication qui a été donnée que Dieu est notre Père sur vous et vous regarde d'un œil favorable. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix à vous, à tous ceux qui vous sont chers, à tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il vous précède sur le chemin du retour. Un moment fort de processus de transition dans lequel l'Église est entrée le 15 décembre 2021. Elle marque, n'est-ce pas, le rassemblement des fils et filles de l'Église, comme l'a si bien dit le secrétaire général dans son message, la volonté pour nous tous de continuer à fumer le calumet de la paix et la possibilité à nous tous de nous retrouver avec pour cet événement important qu'on a pu célébrer depuis 5 ans. Une réconciliation voulue et certainement qui va commencer, qui va prendre corps dès le synode qui débute la semaine prochaine. Une réconciliation qui a commencé au synode général extraordinaire le 15 décembre 2021 quand le bureau élu à Ngaoundéré a donné sa démission pour permettre à ce que tous les fils et filles de l'Église aillent ensemble. C'est pour ça que j'ai dit que le processus continue. Ça a commencé et ça doit continuer. Et cette consécration se situe dans cette trajectoire. Vous savez que la réconciliation, c'est toujours un processus. Qu'est-ce que vous attendez des nouveaux élus? Nous attendons des nouveaux consacrés, qu'ils soient partout où ils sont, des agents de la réconciliation, qu'ils puissent, comme le prédicateur a demandé, être aussi des passeurs qui travaillent et qui prient beaucoup pour que l'Église reste réconciliée avec elle-même et avec tous ses enfants. Mon délice que je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Au fond de mon âme court de larmes,
nous confessons. Comment te dis-je que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Fais de moi. L'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi.